Et bonjour à tous, c'est Dozer355. Bienvenue pour la mission 2 des Blonozed Bastards. Petite vérification visuelle de l'appareil qui se fait normalement avant. Donc c'est connecté, ça a l'air d'aller dans la trappe amortisseur, ça a l'air correct. Le train c'est bon. L'échappement, rien à signaler. Les volets ne sont pas bloqués. Un simulateur. Normalement là il devrait rien m'arriver, je vais enlever le pilote. Et c'est parti, on commence la checklist avec les flaps, le carbu. J'arrive à le choper. Le trim, donc entre 5 et 6. On va rallier le trim. D'engage. On va mettre un peu de gaz. Le pas de l'hélice à fond, la pompe de gavage, le frein de parking, sinon l'avion va avancer, le cut-off. Il n'est pas là le cut-off, mais voilà, c'est l'admission, carburant, hop, batterie, converteur et générateur. Allumer la radio également sur la piste de chalet, ça quand même mieux. On va regarder le fuel. Donc là, on est au max dans l'aile gauche, au max dans l'aile droite. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? Oui, à moitié plein. Donc il faudra que je vide ce réservoir en priorité. Parce qu'en cas de combat, le P51 devient, comme ils disent, une vache enceinte. Et là, je vais demander donc la mise en route. Alors, je vais injecter un peu d'huile. Un peu de carburant. Et on va pouvoir lancer. Voilà, position run. On va fermer la verrière pour s'entendre, et puis parce qu'il fait 8 degrés, on va ramener ça. Là, là. Bien regarder pour les fuites rapides, on sait jamais. Là, on est toujours bon. Surface de vol. La queue. Non, trachéaire ne veut pas, c'est pas grave. Je galère un petit peu. Mon petit capuchon que j'ai oublié. Bien ralenti correctement. Ça a l'air d'aller, on va pouvoir demander le roulage. Hop, les feux d'atterrissage. Ok, c'est parti. Hop, test des freins, c'est bon. On va se diriger vers la piste. Alors, si c'est la première fois que vous faites la campagne, je vous conseille d'avoir les étiquettes. C'est des repères sur tous les avions, parce que là, vous allez voir en vol les avions, en fait, vous pourrez pas les distinguer si c'est un allié, un ennemi. Même avec leur forme, c'est très compliqué par rapport à la réalité, je trouve. Surtout que moi qui ai une excellente vue, 12 sur 10 à chaque œil sans aucun défaut, bah, je vois assez bien de loin. Et là, du coup, c'est une image d'ordinateur. Donc, vous n'avez pas le détail de la réalité. Ils ne perçoivent pas la même chose. On va ralentir un peu. C'est pas de se cracher. Faites attention quand vous freinez, histoire de pas planter le nez. En position. Springfield 2-1, you are clear for takeoff. Springfield 2-1, you are clear for takeoff already. Climb 300 at QFE 2.
quand même, parce que là j'ai l'impression que je vais partir à droite. Là c'est pas la meilleure technique, la plus recommandée on va dire, ça fait chauffer les freins, c'est pas le but. Donc le carburant c'est toujours bon, à droite, à gauche, derrière c'est toujours bon. Et ben on va pouvoir décoller, je vais mettre les gaz, je vais débloquer l'horizon artificiel. Hop. Je desserre les freins et c'est parti. Donc le but c'est pas de suivre la fusée éclairante. Là, et ben il fait beau, c'est un beau décollage. Je rentre le train, ou la lumière rouge en bas. J'ai un avion qui est en train de décoller. C'est d'aller rejoindre le leader et son groupe. Donc là la mission d'aujourd'hui c'est, ils appellent ça un nettoyage, un balayage. Alors, en fait on va préparer le terrain pour un futur bombardement. Donc là je retrime l'appareil, je l'équilibre. Donc là vous voyez la petite bille, hop, je remets le réservoir, voilà, la petite bille qu'on voit en bas au milieu à gauche avec l'espèce d'aiguille qui balance au-dessus à la verticale. C'est votre indicateur de dérive. Donc là, vous voyez, la bille est à droite, ça veut dire que bah, ça pousse du côté gauche. Je suis en train de dériver vers la droite. Et pour compenser, on va trimer dans le sens de la bille, histoire de la remettre voilà, au milieu. Bon, je sais pas si les explications sont très claires, c'est pas forcément le but de cette mission, c'est vraiment un petit plus comme ça, pour ceux qui sont intéressés. Jamais un jour il y avait besoin pour déchiffrer les cadrans, ça vous sert, pas de problème, je peux faire une vidéo aussi là-dessus. Les températures en mode, je suis pas trop mal. Pas trop mal, pardon. Et d'aller rejoindre les copains. Maintenant mettre la radio sur le bon channel, voilà. Non, il va donner le départ et j'en serai pas informé. Salut les liés, un ailier, deux ailiers, on manque un. Essayer de rejoindre. Alors là, vous voyez, il y a des angles morts énormes.
pas tarder à se mettre en route. Vous allez voir, l'IA va complètement gogoliser, de toute façon, ils vont se mettre sur la trajectoire avant d'avancer. Là, je règle la route sur 215. C'est là où la route qu'on va prendre pour commencer notre balayage, comme ils appellent ça, de sweep. Je tente de rejoindre. Et là, ce qui m'intrigue, c'est que dans mon rétro, j'ai vu que deux alliés au lieu de trois. Là, j'en vois que deux. Voilà, un, deux. Je me demande si j'en ai pas un qui s'est crashé au décollage, c'est quand même con. Ouais, alors là ça gogolise complètement, vous voyez, il y a une IA qui fait n'importe quoi là. Et le basculement du... la programmation du... la bascule de... le point de cheminement. Fasse gaffe que l'autre ne rentre pas dedans, qui est parti à droite. Et on se règle en mode croisière. Il se met en route largement avant d'annoncer. Là, vous voyez la distance qu'il faut pour vraiment distinguer quelque chose en l'air. Il faut être collé dessus en fait. Hein. Vous avez vu avec la forme que ça a, la distance, malheureusement. Regardez là, essayez de repérer si c'est un split, un P51. Bon, on sait que c'est des P51 qui a des réservoirs sous les ailes. Mais... ok, donc il y a une patrouille sur place déjà. Mais ils ont rapporté aucune activité ennemie. Clair pour nous. Donc sur le P51, la gestion du carburant est manuelle, c'est pour ça que vous me verrez agir sur la petite manette rouge derrière le manche. Mon but étant de vider d'abord, comme je le disais, le réservoir de queue pour pas être alourdi en cas de combat aérien. Et ensuite, naturellement, les deux réservoirs largables, puisque si j'entre en combat, il faudrait que je les largue. Après, s'ils sont vides, théoriquement, on peut faire le combat avec. Sauf qu'il n'y a pas de jauge dessus pour vérifier que c'est vide. Il faut attendre que le moteur cale, et je ne me permettrai pas d'attendre que mon moteur cale. Donc, c'est pareil, vous, si vous débutez, si vous n'avez pas l'habitude des vols sur le P51, vous pouvez prendre repère sur l'horloge en haut à gauche, petit cadran, la première ligne. Du coup, deuxième en partant de la gauche. Ça, c'est votre horloge. Vous pouvez par exemple switcher tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, toutes les 20 minutes, c'est à vous de voir, à votre appréciation. En fonction des conditions de vol, hein, bien entendu. Là, moi j'ai des conditions idéales. Et là, vous voyez, au lieu de traverser la manche dans son sens le plus court, ben non, on prend au plus large. C'est pour ça que les prochaines missions durent en général plus d'une heure. Une heure et demie, 1h45, peut-être un peu moins, ça dépend de la mission. Peut-être un peu plus aussi, si je galère ou pas. Mais voilà, attendez-vous à ces longues phases de montée et de traversée. Donc
ceux qui n'ont jamais fait la campagne, entraînez-vous. Clairement, ouais, les premiers coups que je l'ai fait, j'étais complètement perdu. Je me retrouvais en l'air avant tout le monde. Je partais pas en même temps que le groupe. Les prochaines missions, ce sera vous le chef, donc à la limite, ça sera moins important. Et là, donc faut essayer de les suivre. Heureusement, il n'y a pas de masse nuageuse. Quasiment pas. On n'aura pas à traverser le plafond nuageux. Là, ça aurait pu être un endroit où on peut les perdre assez facilement. Là, mon indicateur d'horizon artificiel est complètement dérégé. Je vais attendre un palier pour le régler. Ça m'annonce un virage alors que je suis un palier prime. Et tranquillement. Là, normalement, il n'y a pas besoin. On est en condition optimale pour le vol à vue. Cet instrument-là sera vraiment utile soit quand vous êtes vraiment en combat aérien. Donner un peu votre coup d'assiette, etc. Soit quand vous volez par temps nuageux, vous êtes dans les nuages, voilà, ça indique la position de votre avion, vous n'avez aucun repère. Là, on a l'avantage de voir l'horizon. À droite, on aperçoit encore les côtes d'Angleterre. Voilà, ça monte, hein. Allez. Là, moi je vais pas le faire parce que ça passe sur cette mission là en tout cas. Moi je vous conseille de mettre le réchauffage du cockpit et le réchauffage de la verrière également, puisqu'en fait vous allez perdre 2 degrés par pour 1000 mètres d'altitude. Donc au sol vous êtes à 8 degrés, quand vous arrivez à 20 000 pieds, ce qui est notre altitude normalement de cheminement, vous faites moins 16, après moins 8 degrés. Tout simplement. Donc là il faudra prendre aussi en compte le réchauffage du carburateur, bien vérifier également la température de votre carburant. Moi elle est assez basse, elle est en dessous du zéro déjà. Je vais attendre un peu, voir comment ça se passe, et sûrement qu'arrivé en altitude, je remettrai quand même du chauffage sur le carburateur. Le carburateur du bouquin. Non, je dis n'importe quoi, c'est l'essence du fuel, la température du fuel qui est bien, les réservoirs, c'est la température du carburateur qui est très basse. Vous voyez, hein, là je suis passé au-dessus d'eux, je suis en retrait, c'est pas plus mal, je peux les surveiller, le but c'est de rester avec eux. Là on voit toujours l'Angleterre sur la droite, la petite pointe. Vous voyez. Hop, par contre on voit pas les côtes françaises pour l'instant. Donc c'est ce qui rajoute du temps aussi à la mission, je pense que ça se passait un peu comme ça à l'époque. C'est ça que j'apprécie, c'est quand même une semaine historique, donc je pense que les missions sont assez proches de la réalité, même si on n'est pas à 100% de temps. C'est plutôt sympa. Là, ils gogolisent, ils ralentissent complètement, je sais pas pourquoi.
On voit qu'on est bien sur la bonne trajectoire, la route est bien alignée. Hop, 15 000 pieds, le surchargeur vient de se mettre en route. Chargeur, c'est ce qui va nous permettre de voler justement en haute altitude. Donc là, l'espacement, quand vous êtes avec l'IA comme ça, n'hésitez pas. C'est aussi un moyen de pas les dépasser. Donc là, je retombe. Là, on voit la température de carburateur qui est quasiment à moins 10, je dirais. On va attendre un peu, on va voir. Là, on arrive à 20 000. Bizarre mon côté. Là, je vais pas tarder à switch. Essayez de garder une petite réserve. Faut jamais le vider complètement. En plus, ça pose des dépôts, des impuretés, tout ce qui pourrait redescendre après dans le carburateur. Pour ça, il vaut mieux garder 5 gallons en réserve. On sait jamais. Les 5 gallons qui vous aideront peut-être à regagner notre aérodrome. Là, il fait très beau en ce 13 mai 1944. Là, on va à Cherbourg où apparemment on n'aura pas du tout besoin de parapluie. C'est pas vrai. Et vu comment le ciel est dégagé. Là, on arrive à 19 000. Vous voyez, c'est pas très naturel hein, comme mouvement l'IA. Pour ça, je vous disais de pas hésiter à laisser de la distance. Là, vous voyez, pour différencier un avion allié d'un avion ennemi, il y a une espèce de croix noire. On voit pas leur réservoir par exemple. On est trop loin. Du coup ça fausse encore l'image que vous aurez de l'appareil et de son armement. Là je suis en train de complètement dériver.
recentre encore un peu la vue. Donc là, le trim, chaque fois que vous changez de vitesse moteur, de pas d'hélice, que vous avez du vent, faudra pas hésiter. Donc là, je vais couper mon réservoir central. Je vais me mettre sur le réservoir à la radiale gauche. Voilà. Je vais regarder le sélecteur. Et toujours vous ajuster avant, hein, tant pis. Navigation prioritaire, ça vient de réapparaître les réservoirs. Là, vous voyez, si j'avais regardé mon sélecteur, je pense que je me serais mangé. Les équipés, je vais me remettre en formation. Là, le but, c'est de pas les toucher, le but, c'est pas les perdre de vue. Troisième est passé, ok. Et là, il repart plein pot. Pas chercher. C'est une IA. Là, le réservoir 5 gallons. Ouais, 1 gallon. Allez, switch, réservoir de combat, largue à la gauche. Hop, vous voyez pourquoi j'ai pas fait tant que j'étais pas dans en sécurité. On n'a aucune sensation en plus de ce qui se passe dans l'appareil quand on regarde en bas, contrairement à dans la réalité où on va sentir l'appareil descendre, monter, tourner. Là, c'est pas le cas. Alors, faudrait que vous posiez des vérins sur votre siège pour vous incliner et vous donner une indication au niveau de l'oreille interne. Alors, on voit toujours l'Angleterre, mais on commence à apercevoir les côtes françaises. Alors, je sais pas si vous la verrez tout de suite parce que c'est vrai qu'on perd en qualité. Quand on upload la vidéo sur YouTube, il retraite la vidéo derrière et quand même une belle perte de qualité. Mais sachez qu'au niveau de mon nez, droit devant, je vois une pointe peut-être le Havre. Là, je pense que c'est la vitesse de croisière de 130, je vais me mettre en position de croisière au niveau du moteur. Donc 2400 tours minute à l'hélice et maximum 36 au manifold. Puis là, faut pas hésiter à les laisser passer devant s'il faut. Le but, c'est de vraiment les garder devant pour pas les perdre de vue. Avoir facile à piloter. Ah. Les Mustang au nez rouge. Alors je sais pas si vous les voyez, on voit l'espèce de trompette au niveau de l'arceau gauche des pipes. Et là ils sont en train de passer, voilà, entre mon optique de visée et le montant, on voit des petits points. Enfin, moi en tout cas je les vois. En train de passer en dessous de moi. Alors pour moi le nez était pas rouge, mais ouais, voilà, l'émulateur. On n'a pas l'affichage qu'on aurait eu dans la réalité.
Et donc là, gardez en tête quand vous êtes sur les réservoirs largables que vous n'avez pas de jauge de carburant. Donc vous avez deux solutions. Soit vous connaissez par cœur l'autonomie, enfin vous calculez et du coup vous savez l'autonomie que vous avez avec un seul de vos réservoirs. Soit vous y allez un petit peu au pif en changeant régulièrement toutes les 5 minutes avec le sélecteur, un coup à gauche, un coup à droite. Le but étant naturellement de larguer le moins de fuel possible s'il y avait un combat aérien. Comme je le disais précédemment, il me semble, quand vos réservoirs sont vides, du coup vous n'avez pas de poids sous les ailes, quasiment pas, vous pouvez vous battre avec. Mais par contre, il n'y a pas de jauge pour le vérifier. Un peu ça le souci. Donc là, moi, pour ma part, je vais essayer de jouer entre guillemets sécurité. Parce qu'en fait, quand vous arrivez au bout de votre réservoir, naturellement, le moteur n'a plus de carburant, cale. Du coup, vous perdez en puissance pendant un bref instant, le temps de faire votre changement de sélecteur. Le problème, c'est que l'avion, lui, va perdre complètement son assiette. Il va être déséquilibré, pas mal déséquilibré. Et selon l'agencement de votre simulateur, ça risque d'être compliqué. Sachant que dans la réalité, on peut tenir le manche d'une main de l'autre. Moi personnellement, j'ai le manche qui est à droite, la poignée de gaz qui est à gauche. Et c'est très compliqué de voler avec la main gauche. Il arrive, mais voilà. Donc là, vous devez mieux apercevoir nos côtes. Là, vous voyez, vous avez quand même pas mal de vols juste pour voilà, le survol de la Manche en fait, en diagonale. Là, on voit le golfe du Cotentin. Du Cotentin. Ne me trompe pas. Nul en géo. Après l'histoire se passe là-bas et on passe au-dessus normalement. Donc... Pour l'instant, ça a l'air calme. Normalement, ils ont rapporté qu'il y avait des flaques, donc on devrait se faire accueillir. J'espère que ce ne sera pas des 88. Là, vous voyez, quand je vous ai pas menti, hein, quand je vous dis on est en diagonale, pas en diagonale jusqu'au bout. Voilà, donc ça c'est la patrouille d'avant qui rentre à la base.
Au niveau des températures, là, je vois le carburateur commence à approcher du moins 10. Carburant qui est nettement refroidi. Il est passé de 15 degrés, quasiment 16 à 8 degrés. Et là, on est à moins 8. On va arriver en zone de combat. En train de réfléchir si pour éviter les chocs thermiques je mets de l'air chaud ou pas dans le carburant. Comme je vous disais, vous n'hésitez pas à mettre les chauffages qui se trouvent à côté des. Alors ils sont sous le siège, hein, faut chercher l'angle du siège en fait, vous pouvez voir apparaître le curseur vert. C'est deux molettes, une de chauffage cockpit et une de chauffage des givrages verrières. Hop, je vais passer sur le réservoir droit. Je sais pas si on verra bien, mais en bas il y a des petits villages et tout, c'est quand même assez classe. Voilà, température. Je me demande c'est si en combat, si je viens à piquer, est-ce que les températures vont changer d'un coup en visant un choc thermique ou est-ce que ça va être progressif. Faudrait pas que je pré-réchauffe là. Allez, je vais réchauffer. Alors les flaques commencent à nous arroser, c'est des petites. La 37. Là, vous voyez déjà pour différencier les avions alliés et les nuages, il n'y a pas facile. Alors imaginez en combat aérien, sans les étiquettes comme ça, différencier un avion ennemi et un avion allié. Donc là je laisse de l'espace exprès, il ne devrait pas tarder à tourner, on arrive au-dessus de Cherbourg. Et comme on l'a vu précédemment, l'IA gogolise. Watch the flag, boys. Voilà, quand on part de nous, il ne devrait pas tarder. Voilà. Oh, un allié. Deux alliés. Et deux alliés. Donc j'en ai un qui s'est crashé sur mon décollage ou une connerie dans le genre. Super. Donc au lieu d'être 8, on est 7. S'il y a une attaque, espérons qu'ils soient pas trop nombreux. Là j'ai réglé la course. Normalement au 145 c'est déterminé cette branche. Et donc là on est en plein dans la zone de balayage. J'attends les consignes du leader. Toujours attendre son leader.
Quand on aura peut-être des infos, il y a des troupes au sol et tout, on verra bien. Les renseignements, un allié. Deux alliés, ça sent, on est que trois dans le groupe. Impeccable. Là, au moins mes températures de carburant et carburateur sont stabilisées. Ça ne bouge pas. D'accord, alors là ça se complique. Là il y a une formation qui vient de décoller de Caen, l'avion est demi. Et on va aller intercepter. Donc je me prépare. Hop. J'ai activé le sight. J'ai préparé le largage de mes réservoirs. Et là il me reste pas mal de carburant dedans, je pense. Si jamais on engage, il vaut mieux que je les largue. Devant, on voit deux graduations en dessous du site là. Une graduation circulaire horizontale, on va dire, et une roulette verticale. Voilà, les amis, toujours pas le quatrième. Il a dû vraiment se cracher au décollage. Hop. Donc, comme je disais, voilà, là, une roulette sur la gauche où il y a marqué Noël en position verticale, qui va me permettre à déterminer l'envergure. Et en fait tout ça, ça va jouer sur la convergence des canons. Si je rentre en combat, on va voir. Et selon les cibles à attaquer. Donc là pour l'instant je continue à utiliser mon réservoir où je tape droit. Réservoir jetable. Largable. Pas beaucoup de décès là. Voilà, là on me demande de vérifier que j'ai bien allumé mon sight et de me préparer à larguer mes réservoirs si on a besoin. Là ils attaquent, je largue mes réservoirs, j'ai re-switché sur le réservoir principal de l'aile gauche. Donc du coup j'ai largué mes réservoirs. Alors par contre il me dit qu'il attaque, je ne dois pas plonger, je vais me régler à 600. J'arrive. Voilà, j'ai un petit problème, c'est sur une roulette de ma poignée de gaz et c'est un peu bizarrement, voilà. Là j'ai bien fait commencer à rompre la formation.
sont où? Ok, en voilà un, deux. Hop, petit décrochage, partir les volets. Je lâcherai pas mon gars. On va passer loin. Bon, de mort. Là, vous voyez, pour différencier, c'est chaud. Le deuxième qui me frôle. Je ne lâcherai pas, mec. Ah, mon allié. Ok. Allez, coup de shoot. Parade. New class leader to sweepstake. Airborne with 8 Mustangs. You have anything for us? Over. Ah non. Ça c'est mon ailier. Et j'en ai un au cul. Je te lâcherai pas, coco. Je crois que ça a touché. Oh, chat. Je l'espérais. J'espère que mes alliés font le ménage derrière, ils me tirent plus dessus, en tout cas, je vois rien dans le reste. Ah, si, c'est les chassés. Je te lâcherai pas, je te dis. Oh, là, tu me suis toujours. Que j'ai là. J'aurais pas dû faire ça, je l'ai lâché. Il est derrière moi. Pas grave. Un yo-yo pour fuir. Là, vous voyez, faut vraiment être collé derrière pour voir que c'est bien un avion ennemi. Donc là, vous voyez la convergence. Bon, normalement, lui, il est mort. Pas moi qui l'ai buté, l'autre s'est buté avant. Alors lui il y a de la fumée blanche.
Splash. Ils avaient parlé d'un JU-88 à Yonker qui n'est pas modélisé dans le jeu, donc ce sera un DF-109 à 4. On va mettre un 600, il est un peu gros. Je sais pas si vous l'avez vu, le droit devant, droit devant, il y a un tout point noir. Je suis en train d'essayer dessus, je pense que c'est le bordel. Et si je regardais mes alliés, c'est qu'en fait ils allaient dans la même direction. Ça peut pas être trop trop mal. À mon avis, c'est bien ce que je pensais. Là, différencier un avion d'un nuage de DCA, vous voyez, c'est... Oh. Là, les alliés l'ont bien vu, beaucoup plus vite que moi, vous voyez, ils sont plus hauts, plus d'énergie. J'essaie d'économiser mon moteur. Les carburants sont revenus à la normale, carburant, carburateur. Voilà, si vous le voyez là, petit point, au loin. Au niveau du point là. Je te suis aussi. C'est vraiment tout petit, hein. J'essaie de garder mon. Je sais pas si vous le voyez à gauche du réticule là. Là, je suis en pleine dérive. Je fais attention parce que les deux autres points noirs, ce sont mes alliés. Ils vont arriver de dessus. On va bientôt plus les différencier. J'ai peur de plus avoir des liés. Je crois que j'en ai un qui doit être dans la meute là-bas. Regarde le carburant. Je sais pas c'est quoi qui montre. Ah, c'est là que j'ai été touché. L'arrière, ça a l'air d'aller. Et lui, il m'a rejoint comme ça. D'accord. Là, je prends un petit peu de fumée, visiblement.
un qui a été touché. C'est pas un allié. Je regarde les pistes, mais pas bon de se poser là. On commence à voir la fumée, ils ont ralenti. Wow. D'accord, c'est un allié qui est touché. Ok. Courage donc. Hop, et ben je vais les rejoindre et là on va faire le retour, donc pareil au-dessus de la manche. Même sanction qu'au début, en tout cas on a rectifié tout le tir, là on était 7 contre 9. J'en ai même abattu un, donc. Encore 4 et je serai un as. Ce que j'espère c'est que l'atterrissage va bien se passer. Le P51 a tendance à rebondir fortement à l'atterrissage et là vu que j'ai un volet qui est touché, on va bien voir comment ça se passe. Bon bah bientôt neuf. Hop, je vais switcher sur l'aile droite. Pour équilibrer un petit peu la masse. D'ailleurs j'ai de la chance, j'ai pas de fuite, rien du tout. J'ai vraiment pas passé loin. Je pense que là, à une dizaine de centimètres près, je pouvais même avoir le feu, perdre mon carburant. Donc voilà, plutôt une bonne nouvelle. Donc là vous voyez on va pas remonter, on va rester au ras de l'eau. Normalement il y a un check-up après le combat, c'est-à-dire que vos alliés ont le tour entre guillemets, enfin même d'ailleurs ils font vraiment le tour de votre appareil pour détecter les dégâts que vous avez pris. Voir s'il y a des fuites ou autre. Ah, donc restez toujours en dessous d'eux si vous voulez pas les perdre et que vous n'avez pas les étiquettes comme ici. Là, on va régler la vitesse. Dès que je me serai stabilisé avec eux, je réglerai ma course. Normalement, la branche est au 23. De toute façon, c'est eux qui me guident vers la piste. C'est pour ça que je vous dis de pas les perdre. Je dérive complètement. C'est le temps de récupérer la vitesse puisque de toute façon il faudra régler, comme je disais, à chaque mouvement de moteur et de vent pour régler. Pas d'allier. Normalement il m'en reste un quand même. Terminé de faire ça. Je serai le seul à rentrer de mon escadrille.
pas si vous avez vu, j'ai mis un coup de moteur là, la bulle elle a bougé, vous voyez. Elle me refait dériver sur la droite. Donc je rectifie la gauche. Moi je montre pas, hein, j'ai pas envie de les perdre de vue. Le truc c'est de trouver leur régime. Je vais être monté à 280, je pense, comme ça. Voilà, j'ai corrigé ma dérive à peu près. Je vais mettre mon cap au 0,23. Je pense aux alentours de 280 nœuds, il va falloir une ralentisse fortement. Vous voyez la dérive. Donc quand vous réduisez fortement les gaz, la bille part en général sur la gauche pour compenser à droite. Et quand vous accélérez brutalement, bah c'est l'inverse. Elle part à droite et vous compensez à gauche. Là c'est le vol basique, hein. Surveillez bien vos instruments, surtout les niveaux de carburant, les températures. Là du coup vous pouvez couper le chauffage si vous les aviez mis. À part vous faire transpirer, vous risquez pas grand chose. Carburateur est remonté à zéro. Carburant, lui, il est à 16 degrés, tout va bien. Ah, mon ailier. Ah, lourd bilan, hein, un mort au décollage. Un autre qui est mort au prisonnier. J'ai pas vu s'éjecter d'ailleurs. Type de dit éjection. Normalement, il va être fait prisonnier, pardon. Voilà, bien compensé, toujours la dérive et la clé. Pas trop de bateaux qui naviguent autour de la France. Hein. En même temps, avec tous les avions en l'air, comprendre.
Alors, vous voyez le vol en formation, vous êtes toujours obligé de tourner la tête. Oh, une jolie traînée au loin là-bas. Ça doit être les bombeurs. Un peu d'affichage, distance, bim, ça revient. Ça, on a dû nettoyer. Je crois qu'il y a encore un raid derrière nous et nous on a dû être les avant-derniers à nettoyer et eux puissent bombarder tranquillement. Là ils vont prendre, ça va pleuvoir. Deux quarts de vent. La traînée magique qui disparaît quand on la regarde. Hop, ça j'ai plus besoin. Voilà. Là j'essaye de les rejoindre, hein, vous voyez, c'est pas... Pourtant l'IA vole droit, là, c'est moi qui... vole pas droit. Bon, après, à ce moment-là, si vous vous perdez, quel que soit l'écart, vous volez au... 23. À la boussole ou avec l'indicateur de route au-dessus. Et ça va vous ramener... vers la piste, proche de la piste. Et après, du coup, c'est exactement le même trajet que pour la première mission. Vous repartez sur la gauche, faire votre boucle et vous atterrissez. J'espère que mon atterrissage va bien se passer. J'ai quand même pris une grosse cartouche dans l'aile. Là, pour rappel, sur 8, on est plus que 5 à rentrer. 3 du premier groupe, 2 du deuxième groupe. Mais bon, on a eu 9 appareils. Sachant que dans l'eau, il y en a un qui s'est crashé au décollage. Et que j'ai pas pu sauver mon équipier, malheureusement. Une belle drainée, hein, pour du monde. J'ai pris une belle croque. Pile dans le volet. Là, on aperçoit les côtes anglaises.
qu'on voit dans le rétro, la traînée des bombardiers. Qui tourne un peu chelou, comme s'il avait des ratés. Peut-être le vol en formation avec l'équipier. Il a pas hésité à vérifier son réservoir encore une fois. Là, quand vous êtes dans l'axe, là, profitez-en pour regarder aussi vos températures, moteur, le cadran avec les yeux. Ça vous permet de jeter un œil sur les alliés et sur votre avion. Réduit à 250 apparemment. J'ai eu 88 encore. Donc un BF-109 K4. Un peu dommage qu'il ne l'ait pas mis dans l'asset d'ailleurs le jeu de bunker. Je pense qu'il devrait être développé s'il ne l'avait pas. Ça m'étonnerait pas. C'est plutôt le 87 qui serait développé. Le bombardier en piqué. J'imagine, un de ces quatre. Et du coup, mettre un 88 avec, ça pourrait être pas mal. Je suis étonné de ne pas avoir vu d'IL2 encore.
temps, il n'y a pas vraiment de map frontless. Il y a Caucase où on voit la frontière, mais encore pas pareil. Moi, je pense que je vais re-switch sur le gauche. En tout cas, je vous conseille de re-switcher sur le gauche à l'atterrissage. À moins que celui-ci soit vide, bien entendu. Le leader du groupe, des groupes, pour prévenir qu'on rentre à la base. Base qu'on voit au loin à gauche, je ne me trompe pas. Là, je vais régler l'axe de la piste. 172, il me semble, donc on s'est trouvé dans la zone là. Juste un visuel. Ça va me permettre aussi de faire ma manœuvre tranquillement. Vous voyez, ça gogolise hein, les IA. À certains moments, c'est Google Land, chacun fait ce qu'il veut. Là, je vais indiquer à mon coéquipier, voilà, de rentrer à la base. Sinon, le guignol essaye de vous suivre en formation, il sort ses trains, il le rentre et risque de vous percuter. Et nous, on se dirige tranquillement vers l'aéroport, l'aérodrome, la piste, l'Enfield. C'est marrant parce qu'eux, ils ont en fait aucune procédure d'approche, aucun ordre d'atterrissage. Alors, on va voir ça. Donc là, on voit que j'ai une flèche dans un sens, une flèche dans l'autre sur mon indicateur de course. Cette roue fait vraiment peur. J'ai du carburant. Donc on peut s'imaginer en fait la boucle que ça va faire. À peu près bien sûr. Puisque les traits droits n'indiquent pas la position de la piste. C'est-à-dire que la petite aiguille la plus fine va bouger, cette aiguille-là qui va bouger naturellement en fonction de notre position. Comme je vous disais, voilà, repère boussole, vous vous mettez au 33, ça vous ramène vers la ligne. À condition que vous soyez dans le bon secteur de l'aérodrome, naturellement.
Là, on voit le bosquet avec une forme chelou à côté. Je vais pas tarder à tourner pour rejoindre les arbres qu'on voit sur la gauche. Alors là, c'est très mal fait en plein soleil. Bon, voilà. Ah, c'est moche. Ok, bon. On n'a rien vu. J'ai un trou dans le volet. Voilà. Est-ce qu'il faut retenir? Commence à sortir mes volets, à trimer mon appareil. Ouais, faut que je garde 150 nœuds. On voit sur le cadran du milieu à gauche, 160. Je suis pas mal. Taux de descente, faut que j'évite d'aller en dessous de 500. Là, à gauche de l'écran, on voit l'aérodrome au loin, enfin, on voit les bâtiments bugués qui commencent à apparaître. Là, les chargements sont pas super bien faits. Ouais. Bon, après, les maps sont super bien faites, hein, franchement. Ouais. Ça me fait super plaisir de voler dessus. Petite maison en bas à droite là. Et en bas à gauche, pardon, là en bas à droite. La piste. Donc on continue notre course. On va faire ce qu'on appelle une trajectoire d'éloignement, puis revenir dessus. Et du coup, on sera dans le bon sens. On va faire une boucle, ce qu'on appelle en circuit main gauche, et tourner à gauche. Là, on voit, là-bas. Ça, c'était la piste de décollage hein, qu'on voit. C'est pour ça que je tourne pas dessus. Nous, on va prendre celle qui est décalée à 65 degrés, 70 degrés. Bien garder la vitesse. Important. Donc en fait dans la théorie, une fois que vous êtes sur la pente, vos gaz vous servent à redresser le nez, entre guillemets, du moins à reprendre de l'altitude, gérer l'altitude, la descente surtout. Voilà, je vais m'exprimer la descente. Et le fait de tirer sur le manche par exemple bah, va jouer sur votre vitesse. Si vous tirez sur le manche, vous allez ralentir. Si vous poussez sur le manche, vous allez accélérer. Et c'est une combinaison de ces deux théories qui fera qu'en pratique vous arriverez à atterrir plus ou moins proprement. Surtout quand vous aurez des appontages à faire. Là, hop, je vais prévenir que j'approche. J'ai pas changé ma fréquence. Elle risque pas de me répondre. Ok, fréquence chalet, je la refais.
là c'est chaud parce que je suis en train de surveiller tous mes instruments en même temps et tout. J'ai perdu énormément de vitesse. Alors ça c'est pareil, hein, ces explications là sont complètement gogolisées. Hein. La piste porte le bon nom, mais... Quel est le cap 347-6, non. Donc là je demande atterrissage, je suis très très lent et je tombe très vite. Là faut pas y aller comme un brutas. Là j'ai récupéré mes 500 mètres à la descente, c'est pas mal. Par seconde. Là, avec le volet ça a l'air de tenir, même si j'ai l'impression que ça me fait dériver vers la droite. C'est complètement absurde, ça pourrait me faire dériver de l'autre côté. Après j'ai dû pas mal compenser. Position complète de freinage, n'importe quoi, on en est. Là, je suis pas mal, hein. 150 c'est pour la trajectoire, allez vous mettre sur l'approche, apparemment ça serait 110 nœuds la vitesse de toucher. Là je suis pas trop trop mal, j'arrive à rester en dessous des 500, j'espère que je vais pas rebondir, si je rebondis j'arriverai à gérer. L'arrondi, ah, on va empêcher. Hop. Premier rebond, deuxième rebond, c'est chaud. Je suis en train de sortir de la piste. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. C'est chaud. Ah bah c'était le volet, ça va. Je roule. Putain. Ah, désolé pour cet atterrissage, bah au moins j'ai sauvé l'avion, hein. Vous savez qu'il faut pas paniquer et essayer de retenir au maximum. J'ai eu de la chance. Bon, du coup le train a dû se prendre quand même un petit jeton, parce que normalement au ralenti quand vous êtes au sol, vous n'avez pas le... le signal train d'atterrissage qui s'allume. Quand même l'impression que j'avais des problèmes moteurs, on verra bien après. Donc là j'ai pris 8G hein, pendant mon combat aérien tout à l'heure. Voilà. Et on va aller rouler tranquillement jusqu'au parking. Là j'ai coupé complètement les gaz, c'est pour ça que ça sonne. Mon avion tout neuf, il manque déjà un volet.
Au moins, je suis sûr qu'ils vont me le changer, pas le mastiquer. Quoi qu'ils sont capables d'aller le récupérer. J'ai perdu sur la piste. Encore, j'ai fait ça propre, j'ai perdu à côté de la piste. Normalement, il n'y a pas de débris. Camarade, lui il a mieux atterri que moi, vous voyez, il est sur la. Là normalement c'est en zigzag hein, sur le taxiway, le museau nous empêche, le nez de l'appareil nous empêche de voir devant. Là je vais trop vite, je ralentis, c'est pour ça que ça sonne encore une fois. J'essaie de chercher en même temps l'endroit où je dois me garer. Je me souviens plus s'il y avait des soldats ou pas. Là-bas, je vois un camion, ça me dit rien. Je crois pas qu'il y avait de camion au côté. J'avance en zigzag, j'essaye de prendre de la visibilité. Ok, voilà. Là, c'est, je crois, les bidons. Je crois que c'est ici. Ouais, c'est ici. Bon, du coup, j'essaie de bien me garer. Donc là, n'hésitez pas à prendre des points de repère et à repérer avant votre endroit de parking. Bah, j'ai dû prendre au train d'atterrissage parce que j'ai un mal fou à tourner en freinant. Normalement là, ça devrait tourner hein, comme ça. Bon, voilà. Là c'est souffert le bébé. Alors, on va arrêter tout le matos. Hop là, je coupe toutes les arrivées de carburant. Je vais retourner un peu les freins. Là, s'il y avait eu quelqu'un, je l'aurais sûrement tué. Hop. Voilà, ça commence à caler un petit peu. Faire caler jusqu'au bout. Allez, on va rouvrir. Voilà. Texte, on remet à zéro. C'est un peu loin. Ça, on le remet à zéro. Enfin, à zéro en position initiale également. Voilà. On est ok, on est ok, on est ok. Hop, le magnéto. Voilà. On va couper l'électricité, ça va arrêter de tourner. Et la radio, même s'il n'y avait déjà plus de courant. Et ben voilà, on va retirer la pression hydraulique. Bim, c'est retombé à zéro. On repousse. Voilà. Ça paraît pas mal. Donc j'avais pris des dégâts que sur les volets et. Visiblement, j'ai arraché principalement les volets.
Alors, T. On va regarder le résultat. Tac. Donc, on a bien buté 9. J'ai eu une victoire. Déjà bien. Contrôle. Donc, là, c'est quand je rentre dans l'appareil. Oh, pilote mort. D'accord, lui s'est crashé au décollage. Tatatin, tatin. Ok. Alors. Tire, fin de tir. Là, il me tire dessus. Il me tire dessus, il me tire dessus, il me touche pas. Ah, c'est là qu'il me touche. Donc moi je me prends deux coups, une API, une HEIT. Ah, pas de magnéto 1, vous avez vu? Quand je vous disais qu'il tournait un petit peu chelou mon moteur. Je le savais, du coup c'est peut-être ça aussi qui m'a pas aidé à l'atterrissage. J'aurais dû faire un check. Normalement on coupe les magnétos l'un après l'autre. Bon, et ben voilà, du coup merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis à la prochaine pour le troisième volet de la campagne, sachant qu'il y aura 10 missions en tout. Voilà, ciao bye bye et à plus!